Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons chanter l'hymne national. Et après, ce sera la prière. Si quelqu'un est en bonne disposition pour la prière, il peut déjà se préparer. Nous partirons un pays plus beau qu'avant dans l'année. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement salué. Bénédicte, Congo, ton béni, Congo, les aïeux, et nous suivons à ta nation. Bénédicte-nous humains, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, bénis chacun de nous, au nom du Père, du Fils. Donc, votre indulgence du fait qu'on vous ait fait attendre si longtemps. Comme je le disais aussi, en politique, la patience, c'est une vertu. Ça n'a pas été fait de manière intentionnelle. Je suis passé par ici en vous promettant de revenir quelques minutes après, mais comme vous le savez, il fallait que nous puissions discuter et adopter deux textes par les chefs des partis politiques, les personnalités associées aux députés et sénateurs. Voilà pourquoi ça nous a pris plus de temps qu'il ne fallait, mais c'était aussi pour qu'on puisse écourter la réunion de cette rencontre générale. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons vous donner l'ossature de la cérémonie de cet instant. En fait, il va être question que nous puissions donner lecture de la déclaration qui a été adopté par les chefs des partis politiques, membres de notre regroupement, ainsi que les personnalités, en présence des députés et sénateurs. Une fois que vous en prendrez connaissance, je vais signer devant vous, parce que les présidents, eux, ils ont déjà signé. Mais avant cela, je sollicite votre indulgence pour que nous puissions accueillir chaleureusement un nouveau parti, un grand parti qui s'appelle Rassemblement du peuple congolais, RPC, qui est conduit par le professeur Kitenge. Donc, devant vous, nous allons l'inviter à faire son adhésion solennelle. Comme ça, il participe avec nous au reste du programme. Et immédiatement après, nous demanderons au secrétariat permanent
donc de lire la déclaration que nos chefs de parti ont adoptée, de lire également la décision subséquente. Et après, je pourrais vous dire un mot avant qu'on ne puisse se séparer. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter le président du parti Rassemblement du Peuple Congolais à bien vouloir nous rejoindre ici pour qu'il puisse apposer sa signature sur... Merci pour cet accueil. Merci. Déclaration politique de la conférence des présidents des partis et des personnalités politiques du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA. Réunis ce dimanche 1er septembre 2019 à Kinshasa, à l'hôtel Vénus, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques a examiné l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo et la situation du regroupement politique AFDCA. À l'issue de la réunion, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques déclare ce qui suit. 1. Le regroupement AFDCA avait, en date du 5 avril 2019, notifié au bureau provisoire de l'Assemblée nationale son option pour la majorité parlementaire. À cet effet, tous les députés nationaux de l'AFDCA avaient participé activement à l'élection du bureau définitif de la dite Assemblée nationale. 2. La conférence des présidents, organe suprême des décisions du regroupement AFDCA, prend acte de la publication du gouvernement Sylvestre Ilunkamba et fait observer que tous ceux qui sont nommés étant des Congolaises et des Congolais doivent s'atteler à concrétiser les attentes de la population. 3. La conférence des présidents attend de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son quota proportionnel au gouvernement de la République. 4. Elle appelle à l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'instauration d'un État de droit, gage de la démocratie et de la prospérité. 5. Elle demande également au Parlement de ne pas cautionner la violation des lois par lui édictées. L'AFDCA confirme sa place au sein de la majorité parlementaire aux côtés du FCC et du CACH et invite ses députés nationaux à voter pour l'investiture du gouvernement Sylvestre Ilunkamba. 6. Elle prie la justice de se pencher avec diligence sur sa plainte introduite au parquet général près la Cour de cassation contre les usurpateurs. Elle dénonce les tentatives de dédoublement de l'AFDCA suite à la peur, à la haine et à la jalousie des ennemis de la démocratie. 7. Elle prend acte du retrait délibéré des partis politiques PT, ADPS,
CONACAT, UDCN et CAC du regroupement politique AFDCA est interdit dès ce jour aux partis auto-exclus et à leurs membres l'utilisation des drapeaux, écharpes et autres insignes de visibilité, propriété exclusive de l'AFDCA, garantie par le protocole d'accord portant création de l'AFDCA et son règlement intérieur et les lois de la République. En conséquence, il leur demande de créer leur propre regroupement politique et cesser de tricher avec la vérité et les lois de la République. 8. Et leur appel à l'opinion nationale et internationale que l'AFDCA demeure une grande force politique implantée dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo et que le combat pour la justice, la démocratie, le travail et l'état de droit doit se poursuivre par tous les Congolais. À cet effet, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique AFDCA demande à sa base de se souder et de se mobiliser autour de son président national et autorité morale, l'honorable sénateur professeur Bahati Lukwebo Modeste. Elle invite également sa base à ne pas céder aux provocations de nature à discréditer l'AFDCA, son président national statutaire et autorité morale, ses partis et personnalités politiques membres, ses dirigeants, sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux, sans oublier ses nombreux militants et militantes disséminés à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Fête à Kinshasa, le 1er septembre 2019, pour la conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement AFDCA, le rapporteur général, l'honorable professeur Rémi Musungayi Bampale. Je vous remercie. Décision numéro 011/AFDCA/BCPP/ELM/EBD/2019 de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, en sigle AFDCA, du 1er septembre 2019. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA en sigle, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 104 et 111. Vu l'article 7, paragraphes 2 et 3, alinéa 3 et 4, du protocole d'accord portant création d'un regroupement politique dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, tel que publié au journal officiel de la République démocratique du Congo sous le numéro spécial du 7 juillet 2018, page 89. Vu les articles 8, 9 et 10-5 et 6 et 11 du règlement intérieur du regroupement politique AFDCA, tel qu'enregistré le 19 mars 2018 à l'office notarial de la Lukunga, ville province de Kinshasa, sous le numéro 55-962, folio 200-212, volume DCD 2. Considérant la déclaration de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique AFDCA du 1er septembre 2019. Considérant le procès verbal de la décision de la réunion de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique AFDCA du 1er septembre 2019, décide, article 1er, de prendre acte à la majorité absolue du retrait délibéré du regroupement politique AFDCA des partis politiques ci-après. Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail CONACAT.
Alliance des démocrates pour le progrès social, ADPS. Parti travailliste PT. Union des démocrates pour la concorde nationale, UDCN. Congrès des alliés pour l'action au Congo, CAC. Article 2. De l'interdiction à ces partis politiques et à leurs membres d'engager et de parler au nom de l'AFDCA dès ces jours. Article 3. De la restitution des emblèmes, drapeaux, écharpes et autres insignes du regroupement AFDCA détenus par les 10 partis politiques auto-exclus sous peine de poursuites judiciaires. Article 4. Du maintien de sa main tendue en direction des députés, sénateurs et autres cadres en marge de la légitimité et de la légalité détenue par le seul président national élu et autorité morale du regroupement AFDCA, le sénateur professeur Bahati Lukwebo Modeste, en vue de reconstituer l'unité et la cohésion de l'AFDCA. 5. La première vice-présidente du regroupement AFDCA est chargée de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 1er septembre 2019, pour le regroupement politique AFDCA, sénateur professeur Bahati Lukwebo Modeste, président national élu et autorité morale, et signature des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement AFDCA. Je vous remercie. Bar PNN-AM, bar MBL-ELM, bar EBD-bar 2019, portant nomination d'un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti politique. Le président national, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de la constitution de la République démocratique du Congo, du 11 février 2006, spécialement son article 6. Vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Vu l'arrêté ministériel numéro 151/2010 du 3 novembre 2010, portant enregistrement du parti politique dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle. Vu le statut de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, tel que modifié à ces jours, spécialement à ses articles 35, 42, 43, 44 et 45, vu le règlement intérieur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC ainsi, spécialement ses articles 52 et 55, vu la motion de confiance du 12 décembre 2015, votée en faveur du camarade Bahati Lukwebo Modeste, président national élu de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle. Vu la résolution numéro 001/15 du 2e congrès ordinaire du 12 décembre 2015, portant désignation du président national et des vice-présidents nationaux de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle. Considérant
le point 1. Point 1 de la résolution. Numéro 001/15. Relatif à la désignation de M. Bahati Lukwebo Modeste aux fonctions de président national de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, FDC ANCI. Considérant les points 1, point 3 de la résolution 001/15, donnant mandat au président national de procéder à la restructuration des organes du parti, notamment le secrétariat général, les fédérations et les structures spécialisées. Vu la nécessité et l'urgence, décide article 1 et nommé secrétaire général de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, en sigle AFDC, le camarade professeur Mutabunga Rugina Placide. Article 2. Sont nommés aux fonctions de secrétaires généraux adjoints de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, en sigle AFDC, en regard de leur nom, les camarades ci-après. 1. Honorable Mayaya Kilolo Richard. 1. Secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et idéologiques. 2. Honorable Katuma Mukadai Viki, secrétaire général adjointe chargé de l'administration et de l'organisation du parti. 3. Honorable Makengo Lutimba Hubert, secrétaire général adjoint, chargé du suivi et contrôle des activités des structures fédérales et relations avec les partis politiques alliés. 3. La première vice-présidente nationale de l'AFDC est chargée de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Fait à Kinshasa le 31 août 2019. Honorable sénateur Bahati Lukwebo Modeste, initiateur, président national élu, et autorité morale de l'AFDC. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il rétablisse un état de droit et que l'AFDC et alliés rentrent dans ses droits. Parce qu'il est inadmissible qu'après tant d'efforts, tant d'énergie, tant de risques, tant d'investissements, que le fruit de notre travail soit détourné à la dernière minute au profit de ceux qui ne le méritent pas. Voilà pourquoi nous disons justice sera faite tôt ou tard. Donc tenez bon, chers camarades, continuons le combat. Le peuple est avec nous, l'opinion est avec nous et l'AFDC allié continuera toujours à rayonner et à faire peur. Nous sommes là, nous sommes des rassembleurs, nous nous rangeons du côté de la population. Ce combat-là, nous devons le poursuivre tous ensemble, chacun dans son coin, il doit faire passer le message. Le gouvernement, c'est une affaire passagère, cela ne doit pas nous décourager. Allons de l'avant.
Nous allons donc pouvoir terminer notre réunion par la prière parce qu'on ne peut plus chanter l'hymne national. Il est exactement 18 heures. Et nous allons une fois de plus demander au professeur Moulou Mamounanga, qui est un des cofondateurs de notre regroupement, de pouvoir nous mettre une fois de plus entre les mains du Tout-Puissant pour que nous puissions tous rentrer en paix et en toute sécurité chez nous. Voilà, chers camarades, je voudrais donc passer le micro.